Nous sommes au début du printemps, une belle saison à Yangzhou. Au bord du lac mince de l'Ouest, les seuls pleureurs flottent au vent sous le soleil du petit matin. La plupart des gens marchent lentement, pris dans ce beau paysage. Mais il y a aussi ceux qui sont pressés. On planifie l'année à partir du printemps et la journée à partir du matin. Jean Laixi fait les deux à la fois. Pour ce monsieur de 55 ans, aujourd'hui est le début de quelque chose d'important. Un objet sous forme de cuve à eau est devant lui. L'objet est tout rouge et a l'air d'un article domestique ordinaire. John Laixi sort une feuille de papier et la colle sur la surface de la cuve. Sur la feuille, des traits et motifs flous sont visibles. En regardant de près, on se rend compte que ce sont des dessins au crayon de pavillon, fleurs, oiseaux et personnages. Tout cela signifie que cette grande cuve n'est pas un objet banal. John Laixi commence à aiguiser le burin devant la cuve couverte de dessins. Il se met à travailler sur la cuve. Le burin perce la feuille et la surface de la cuve avant de se retirer doucement. Le geste se répète. L'amplitude du geste n'est pas grand, mais le rythme s'accélère. Les coups de burin forcent et curent à la fois des bouts de papier et des débris de rouge. La sculpture a duré environ une semaine. Le brouillon sur la cuve est presque entièrement curé. Sur la surface vermillon, des motifs en relief de montagnes, de fleurs, d'oiseaux et de personnages apparaissent. La vraie identité de la cuve est enfin révélée. C'est un grand pot de pinceau au curage du rouge. Le curage du rouge est une technique renommée de l'artisanat des objets laqués de Chine. Le rouge désigne la couleur des objets laqués. Le curage désigne le nom du procédé. Le curage, aussi connu comme soulèvement, consiste à curer et à enlever les parties en surplus des objets laqués en laissant seulement les motifs. Les coups de burin, comme le perçage et le curage, donnent à l'ébauche une surface irrégulière, en relief et à trois dimensions d'un style simple. Le processus du curage du rouge des objets laqués est très long et sophistiqué. Le curage est la première étape du processus, juste après la fabrication de l'ébauche et l'application de la laque. Il n'y a que le premier pas qui coûte.
John Lacy fait beaucoup attention et s'efforce de perfectionner son œuvre. Au fur et à mesure que ce geste qui semble simple se répète, les contours des motifs sont de plus en plus visibles et vivants sur l'ébauche. Vers la fin du processus, un accident s'est produit. Comme il y a de nombreuses couches de laque, certaines parties ne sont pas laquées de façon uniforme. Les derniers coups de burin ont fait détacher tout un bloc de laque à partir de la couche au milieu. Le détachement de laque est un phénomène rare. Les apprentis s'approchent du maître après que celui-ci s'est arrêté soudainement. Ils baissent la tête et ne disent rien. Mais tout le monde sait bien que le détachement du bloc de laque risque de réduire à néant tous les efforts précédents. L'accident causant le détachement d'un grand bloc de laque a laissé un trou sur la surface de l'ébauche. La sculpture est suspendue. John Lacy a réuni ses apprentis pour chercher à réparer l'ébauche abîmée. Ce phénomène est si rare qu'il n'arrive pas à trouver une solution concrète. Après avoir observé de près la partie abîmée, John a soulevé une solution. Pour la plupart des artisans du curage du rouge, le vernissage de réparation est une technique très exigeante. Il faut réparer parfaitement jusqu'à ce que le défaut ne se voit plus. Les apprentis ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Après la discussion, John Lacy décide de le faire lui-même. Cela veut dire qu'il doit refaire le travail pénible des mois précédents. Ce qui nous donne une opportunité d'être témoin de la transformation du plâtre en peau de pinceau au curage du rouge. Il y a 6 mois, John Lacy a décidé de fabriquer ce pot de pinceau au curage du rouge. Un ancien moule, quelques feuilles de papier, des morceaux de toile de chanvre et un tas de plâtre. Il est difficile d'imaginer qu'un objet au curage du rouge soit fait de ces simples choses. En fait, les choses simples ont souvent une qualité étonnante. Cette ancienne méthode d'ébauchage s'appelle Diazhu et remonte à la période des royaumes combattants. Le mot Zhu désigne la toile tissée de fibres de rami. John Lacy colle d'abord la feuille mouillée sur le moule.
猴四个子，4个撮子，2个片子，他就把那一发，可以冷冻起来。这道工艺就是猴子，猴6到8道子，然后的话呢，猴子完了以后就是做一道灰，然后开始糊布。糊子的目的起抹胎跟布之间的分隔作用。D'abord le papier, puis le plâtre, enfin les toiles. Chaque procédé exige le séchage et la fixation sur au moins 24 heures. À la fin des 3 répétitions, l'ébauche est achevée. Ensuite, on ouvre une fissure sur l'ébauche et insère doucement une brochette de bambou pour séparer l'ébauche et le moule. Avec l'aide d'un collègue, on enlève l'ébauche en toile et fait un ensemble en cousin. L'ébauche est modeste, voire laide à ce stade. Mais c'est à partir de ce moment-là que commence la transformation. La laque utilisée par le curage du rouge est appelée laque vermillon. Dans le milieu du curage du rouge, on dit 100 lits, 1000 coups de burin et 50 grammes de laque. 100 lits et 1000 coups de burin ne concernent pas le curage du rouge, mais seulement la laque. L'application de la laque s'appelait Xiuqi dans l'Antiquité. Désormais, il s'agit d'appliquer la laque de manière uniforme sur l'ébauche avec une brosse très fine. À cause de son âge avancé, Zhang Laixi ne fait pas l'application de la laque lui-même, mais donne des instructions. Le geste doit être précis, ni trop rapide, ni trop lent, ni trop mince, ni trop épais. Chaque couche de laque est de 0,02 mm d'épaisseur et chaque couche doit être entièrement séchée avant l'application d'une autre. On ne peut faire que 2 couches par jour. Comme le curage du rouge se fait sur la couche de laque de la surface de l'ébauche, l'épaisseur de laque décide de la profondeur de la sculpture. Les œuvres de Zhang Laixi sont souvent de 8 mm d'épaisseur, ce qui veut dire au moins 400 couches de laque, soit un travail de plus de 6 mois. La lumière du soleil couchant jette une ombre foncée sur le trou de l'ébauche, comme une tache de naissance horrible. Après avoir fini le mélange de laque, Zhang Laixi applique doucement la première couche de réparation sur le trou. Il s'agit de refaire l'application de laque partielle sur la position abîmée. Une fois la surface aplanie, il faut curer la partie en surplus. Les traits de relief doivent être strictement conformes aux motifs originels.
Le vernissage de réparation ajoute énormément à la difficulté et la durée du processus de fabrication. L'épaisseur de la réparation est de 4 mm, soit 200 couches de laque vermillon. Cela prend plus d'un mois pour tout appliquer. C'est un artisanat lent et minutieux. L'application répétitive des couches très fines sert à consolider la réparation pour éviter tout détachement. La plus grande caractéristique des objets laqués est leur résistance à l'humidité et à l'érosion. Bien que la réparation soit achevée, l'ébauche semble toujours avoir une cicatrice. Pendant le mois de réparation, John Lycy a déjà eu une idée pour résoudre ce problème. Un travail différent exige un outil différent. Par rapport au burin pour le curage, le tranchant de la pelle est large et aiguisé, spécialement fait pour le pelage. Un couteau différent a un usage différent. Dans le pelage, on insère le couteau dans la surface et on enlève le surplus couche par couche et morceau par morceau jusqu'à une profondeur de 7 mm au maximum. D'où l'importance de l'application des 400 couches de laque. Comme un spécialiste le dit, les objets laqués sont nés de l'addition et la soustraction de la laque. À partir du curage, toute la sculpture revient à une soustraction. Le volume quantitatif et le principe de l'addition et de la soustraction sont décidés par le dessin du brouillon. 一件T-红作品的设计是它的灵魂。 Après le pelage, on passe à l'étape de la perfection du dessin global, aussi connu comme la sortie de l'ébauche. Il s'agit d'enrichir le dessin à travers des ajustements majeurs. John Lycy a fait une modification sur le brouillon originel, juste à l'endroit de la réparation. Plus de 6 mois d'application de laque a aménagé le sol pour la sculpture. Une réparation de laque venant d'un accident a enrichi davantage le sol et a perfectionné le dessin global du grand pot de pinceau au curage du rouge. Le dessin comme âme et les motifs comme squelette. La sculpture minutieuse est un processus d'ajout de sang et de chair. Comme les dynasties Ming et Qing ont établi la capitale à Beijing, le curage du rouge du Nord, et surtout de Beijing, hérite et développe les techniques de la cour royale. Ces techniques sont caractérisées par le relief, le ciselage, la sculpture ronde à trois dimensions et un style élégant et majestueux. Mais les techniques appliquées dans la sculpture de laque de Yangzhou sont plus diverses.
l'usage des techniques telles que la sculpture superficielle, la sculpture ronde, le relief, le ciselage, la sculpture transparente donnent un résultat joyeux et sublime. John Lacy a innové sur la base des techniques traditionnelles. Il a introduit la technique dite « point de couteau caché » de la calligraphie chinoise dans le curage du rouge. Chaque technique a besoin d'un burin particulier. John Lacy a choisi un burin extrêmement aiguisé et le brûle sur le feu. Quand le point en acier se ramollit, on presse immédiatement pour former un crochet unique. C'est un burin à crochet spécialement fait pour cette technique. Le point de couteau caché est utilisé souvent dans la calligraphie. John Lacy applique la sculpture en relief pour imiter l'image, le squelette et la disposition des montagnes et des eaux, et rend les lignes plus subtiles avec la technique du point de couteau caché. Le burin touche à la profondeur de la laque. C'est une technique extrêmement fine. Chaque feuille de lotus est réalisée de 1000, voire 10 000 coups de burin, ce qui est invisible à l'œil nu. On ne peut assurer la précision qu'à l'aide d'une loupe. C'est une exclusivité de John Lacy, mais cette innovation l'a placé au centre d'une polémique. Ensuite, on passe à la dernière étape, le polissage. Dans la fabrication des objets laqués, la répétition tranquille joue un rôle prépondérant. Comme la sculpture, le polissage suit le principe d'aller de la grossièreté à la finesse. On étale la surface avec un burin spécialisé et polie avec du papier de verre mouillé de 400, 600 ou 800 têtes, dans le but de donner un éclat à la surface du grand pot de pinceau. Ce travail insignifiant exige en fait beaucoup de compétences. La force des mains, le niveau d'uniformité, de la friction, tout dépend d'une longue expérience de travail. Aucune imprudence n'est permise. À part avec le papier de verre, le curage du rouge de Yanzhou a une autre technique, plus ancienne et unique, pour effectuer le polissage. Pendant le millénaire, avant l'apparition du papier de verre, les artisans utilisaient une plante pour accomplir ce procédé de polissage. L'herbe à râper s'appelle aussi Comelina diffusa. C'est une plante similaire au roseau. Sa plus grande caractéristique est qu'elle devient aiguisée une fois mouillée. Les artisans du curage du rouge en profitent pour polir les objets laqués en râpant verticalement.
Ce mouvement du bas en haut et vertical à la surface du curage du rouge peut pénétrer dans les motifs sans abîmer le relief, exerçant un effet similaire à celui du papier de verre. Après le polissage préliminaire, cette œuvre est différente d'avant. Mais les détails sont encore un peu grossiers. Les profondeurs des montagnes et des eaux sont encore floues. Zhong Laixi sort une pierre grise et polit avec ça l'œuvre du curage du rouge. Cette pierre insignifiante est une technique exclusive de Zhong Laixi. La pierre de foie de mouton peut pénétrer dans la musculature du curage du rouge et s'occuper même des détails les plus fins. Mais quand le grand pot de pinceau nouvellement poli est placé sous la lumière de la lampe, la surface montre des spots de lumière irréguliers. Les connaisseurs des objets anciens et de la porcelaine savent que ces spots de lumière constituent un critère d'ancienneté des objets de porcelaine. Les connaisseurs les appellent la lumière de la nouveauté ou bien la lumière usée. Zhong Laixi a ajouté un dernier procédé pour résoudre ce problème, l'application de poudre de tuiles. Les poudres de tuiles sont bien sûr des briques et des tuiles réduites en poudre, dont la finesse dépasse celle du papier de verre. Les poudres de tuiles peuvent servir à polir de façon profonde le curage du rouge et à accélérer l'oxydation de la laque et la formation de la patine. Enfin, le grand pot de pinceau au curage du rouge fait peau neuve, à la suite d'un an de travail riche en procédés.